titre, on est là pour parler de la collection de Martine Cosmétiques, la Néon Nitro Speed Collection, je crois qu'elle s'appelle comme ça, il n'y a pas assez de mots dans ce titre. Je me suis pimpée jusqu'aux ongles pour l'événement. Du coup, moi j'ai pris la collection complète, qui est au prix de 149,95€. Je vous avoue, j'ai pas trop réfléchi, j'avais même pas vu la vidéo, j'ai vu le truc, j'ai fait ok. Et je vous avoue que pour une fois, c'est plutôt les crayons qui m'ont attiré, les couleurs des crayons, la palette peut-être un petit peu moins, mais bon, je me suis dit, je prends la totale parce que vraiment, il y avait plein de couleurs. Et en ce moment, je suis full couleur. Donc la collection complète, c'est la palette qui toute seule coûte 64,95€. Trois crayons, vraiment, ces couleurs, c'est incroyable. Il coûte 14,95€ à l'unité. Il y a aussi son liner yeux de beach, mais version violette à 14,95€. Voilà, si j'aime bien, parce que les liners en feutre, en général, j'aime pas trop, mais j'avoue, la couleur... pépite. Et enfin la palette visage, j'étais pas trop inspirée, mais je me suis dit c'est pas grave, j'avais pas envie de calculer en fait à combien ça me revenait de prendre séparément, etc. Il y a deux blushs de Zylight si je me trompe pas, et elle est à 44,95€. Et en plus il y a un blush orange, et j'adore les blushs orange depuis quelques années, je suis vraiment en mode ma passion, blush orange. Avec tout achat de produits de la collection, apparemment tu as ça sur un bord. Est-ce que je vais le mettre sur ma voiture? Absolument pas. Pas déconner non plus. Déjà, ça m'avait fait chier de mettre mon truc apprenti à l'époque. Et ensuite, j'ai changé de voiture entre temps. Bref, j'ai pas trop envie de coller un truc sur ma voiture. En plus, c'est un truc qui se colle de l'extérieur. Ouais, non, franchement, je vais le garder en souvenir. Et moi, j'ai eu la carte fait vibrer. Mon moteur Martin Martin avec le M de ce côté-là. Ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours des cartes un peu différentes. J'ai fait un petit M ici aussi. Donc vraiment, les ongles, vous allez voir, c'est vraiment... tout par rapport à la collection. Là vous voyez, j'ai le M pimpé version Jackie Tuning. Je vais commencer, j'ai jamais acheté de palette teint chez elle, donc je vais commencer directement par la palette du visage avec les blushs et l'highlight. Par contre avec mes ongles, pour l'ouvrir ça va être un petit peu difficile. Je vais prendre mes faces d'un pinceau. Non, oui. Alors, voici à quoi ressemble cette palette là. Elle a un léger dégradé rose-violet. Donc je vous lis son petit speech habituel, passez si ça vous intéresse pas. Mais pour ceux qui ne veulent pas acheter forcément cette collection et qui ont envie de savoir, je vous lis. Les moteurs vrombissent, les pneus crissent, planquez-vous, Martin et son gang débarquent en trombe au Néon Nitro Speed. Au volant de sa grosse bagnole tunée, moteur 8 cylindres et plus de chevaux qu'un cintre équestre, elle affiche sa légendaire calandre plus rebondie qu'une paire de fesses latinos. Néon Nitro Speed, c'est le rassemblement de tuning pour tous les amoureux du moteur qui s'infile les miles au petit déjeuner. Au petit déj. Découvre dans cette palette... Ah, c'est pas les mêmes choses. Donc dans celle-ci, c'est marqué... Découvre dans cette palette Face 4 nouvelles teintes crémeuses et intenses. Angelica, l'highlighter lila clair, Léon le blush mat orangé, Fernanda le blush irisé rose et enfin Sienna le bronzer irisé brun au sous-ton doré. Joue avec ces teintes pour souligner la structure de ton visage en les appliquant sur les pommettes, l'arc de Cupidon, au bout du nez ou encore l'arcade sourcilière, facile à appliquer. Elles se fondent parfaitement avec la peau, formule vegan contre les tests sur les animaux. Et made in Italy. Sur la palette des yeux, c'est marqué un petit peu autre chose. Retrouve 24 fards chromés, mat et crémeux, irisés aux teintes flash et néon, un orange tangerine, un bleu électrique, un noir carbone, et des couleurs criardes au point d'aveugler un radar de vitesse. Retrouve Dom, Anita, DK, Benny et tous les autres pour faire vibrer ton gros moteur et astiquer les sublimes bas de caisse chromés. Formule vegan contre les tests sur les animaux, made in Italy. Donc je pense clairement... que je vais mettre le blush orange. Hein. Petit miroir, clin d'œil à Marie, si tu passes par là, je vous expliquerai après. Du coup, il y a deux blushs. Donc, le orange ici, le rose ici, avec highlighter bronzer, du coup. Moi, je vois pas comment utiliser ça en bronzer, perso. Et vous voyez, il y a des traces de pneus, vous voyez ou pas. Des traces de pneus, c'est pour ça que j'ai fait mon pouce avec des pneus. C'est d'ailleurs très chiant, je suppose que ça ressemble vraiment à un pneu. Mais bref, une trace de pneu. On va faire les swatchs, on verra après ce que je mets sur ma face. Je sais pas du tout ce que je vais faire par rapport à la palette, hein, mais comme d'habitude quoi. Donc on va déjà prendre le orange qui m'appelle. Ensuite on va passer dans Sierra. Donc c'est le bronzer... qui est en fait un doré, hein, tout simplement. On va aller dans Fernanda, qui est le petit rose
clair comme ça. Et enfin Angelica qui est l'highlighter rose. Je pense qu'on doit quasiment tous et toutes en avoir un comme ça dans nos placards. En tout cas, moi, je sais que j'en ai un. Alors, je dois admettre, donc c'est ma première palette de visage de chez Martine Cosmetics. Je m'attendais à mieux, puisque pour les palettes, je suis toujours en mode waouh, c'est incroyable. Je m'attendais un petit peu mieux après avoir à l'application aussi. Et là, c'est vrai que j'ai pas eu envie trop d'abîmer la trace de pneu à l'intérieur. Donc, j'ai fait un petit peu attention en swatchant. Mais j'avoue. J'avoue, je pensais que ça allait être un peu plus justement crémeux, comme elle dit si bien. Surtout bah, pour le orange qui est là. On est vraiment sur un mat, mais pas aussi pigmenté que j'attendais. Enfin, je veux dire, il est orange flash, hein, d'accord. Mais vous voyez, il n'est pas aussi incroyable quand je le swatch que tout ce que j'ai pu swatcher par le passé, en faisant, comme d'habitude, en faisant justement juste un coup dedans et pas. Pour vous montrer vraiment le vrai swatch. Après, c'est peut-être pas plus mal parce que vraiment avoir un truc orange comme ça flash, c'est peut-être un peu too much. Mais quand même, je me suis dit que ça allait être mieux. Donc 45 euros pour ça, c'est un petit peu. Voilà, après c'est joli. La teinte rose, elle est un peu trop rose bébé à mon goût. Mais elle est jolie. Elle a un petit effet justement crémeux. Le rose, il est très joli aussi. Vous voyez, il brille beaucoup à la caméra, enfin en retour, donc je pense que vous le verrez peut-être pareil, mais au retour il brille vraiment bien. C'est vrai que j'en ai pas mal des highlighters, donc ça j'ai déjà. Puis doré, par les bronzeurs dorés, moi je l'appliquerai pas en bronzer sur moi, donc au final cette palette toute seule je l'aurais pas achetée. Ensuite on va passer rapidement sur l'eyeliner. Du coup je ne connais absolument pas son liner noir puisque je n'aime pas les eyeliners en feutre de base. Je les utilisais pendant un moment et au final je suis passée sur le Jet Black d'Anastasia il y a quelques années et je suis jamais revenue en arrière. D'ailleurs c'est drôle parce que le liner feutre d'Anastasia est violet aussi comme ça. Joli. La couleur est très belle. C'est un violet, il est très très beau. L'application, elle est nickel. Après, ce genre de choses, pour moi, ça sèche ultra vite. Donc, à voir si ça sèche ultra vite. Mais je suis choquée. Il est canon. Que j'ai écrit ici. Je sais pas si c'est très visible. Franchement, c'était un petit peu compliqué de le faire sur une petite zone comme ça. Il va pas vouloir focus. On a vu que ça brille. Bon. Mais c'est marqué Martine, ok? Les trois crayons, je m'avoue, j'avoue, je me suis affolée quand je les ai vus. Je pense que j'ai des teintes un peu similaires, notamment chez Urban Decay. Vraiment, j'ai été en mode subjuguée par les crayons Kohl. Donc on a la teinte, ils sont marqués derrière. Néon pink, électrique violet et néon green. Et du coup, là, j'ai refait ces ongles-là avec les flammes. Voilà, on retrouve toujours le petit détail qui tue. Et on va voir ce que ça donne. Ok, ils sont ultra crémeux. Incroyable. Regardez. Bon, j'ai toujours le liner ici qui est exactement de la même couleur en plus que le crayon. Et ça, on aime bien que ce soit vraiment matchy-matchy. Et une texture pépite, franchement. Arrête de focus sur ma grosse tête. Très très jolie, très pigmentée. Alors on passe au plat de résistance. Alors le packaging est un tout petit peu différent. Là on a vraiment les traces de pneus. Et là c'est un petit peu, vous savez, le carbone qu'on a sur des voitures un peu tunées. Ça fait plus effet carbone comme ça. Pas ultra fan de ce packaging perso parce que j'aime bien les voitures. Et d'ailleurs merci d'avoir mis une Viper dans ton clip parce que vraiment incroyable une Viper. Quel Lamborghini tu t'y attends, Viper. J'étais là, j'étais en mode, mon Dieu, c'est la voiture de mes rêves de mon enfance, quoi. Donc j'étais là, j'étais en mode, waouh. Bon, on la voit 30 secondes. On la voit 3 secondes à peine, mais j'étais contente. Par contre, ce packaging, je le trouve vraiment très très joli. Après, je trouve que ça ressemble, contrairement à d'habitude, on est en mode, waouh, ça ressemble à Jeffree Star. Là, je trouve que ça ressemble à Beauty Bay. Il est très simple, mais il est hyper canon avec ce sunset un petit peu qui brille, un peu holographique. Là, vous voyez Marine Light qui se multiplie derrière. C'est super joli. Et du coup, comme je vous ai dit, j'ai fait bah, tous les ongles où il n'y a pas de flamme, à part celui-ci, en mode sunset aussi. Et très très joli.
Donc c'est la première fois qu'elle nous fait aussi une palette avec 24 fards, donc plus que d'habitude. Et vous l'avez déjà vu, mais elle ressemble à ceci. Et je vous avoue, comme je vous ai dit, j'étais plus inspirée par les crayons que par la palette en elle-même, parce que des palettes rainbow, etc., j'en ai blinde. Mais bon, elle est absolument... Elle est ultra belle. Elle est ultra, ultra belle. Et pour la petite anecdote, donc moi, je laisse toujours mes films en plastique dessus parce que je ne me sers quasiment jamais des miroirs de palette. Donc, toutes mes palettes, elles ont encore le film. L'anecdote, c'est que j'ai fait mes ongles en live sur TikTok. Et j'avais pas d'idée pour faire, du coup, cet ongle-là. I'm sorry, je vous fais un fuck. Cet ongle-là, j'avais pas d'idée. Et j'ai Marie, en live, qui me dit « T'as qu'à faire comme le miroir de la palette. » Et je sais pas, moi, je me suis dit qu'il y avait un miroir ici. Je sais pas, j'ai pas du tout pensé qu'il y a un miroir, enfin, que du miroir là, quoi. Et j'avoue, je trouve pas ça... Enfin, c'est pas dans mon esthétique. Donc, c'est vrai que j'ai pas tilté parce que je trouve pas ça très beau à mon goût. Et du coup, bah, je suis partie sur... le miroir, les côtés en tout cas sur mon ongle, donc ça, c'est un peu différent vu que l'ongle a pas la même forme. Ça fait beaucoup rire Marie, en plus on a vu ma sale tête en live sur TikTok puisqu'on m'a vu dans le miroir en plus et que j'étais pas du tout apprêtée, donc au secours, je suis désolée. Et pour finir, après je suis tombée de ma chaise, je sais pas comment j'ai fait, j'ai une chaise Ikea un petit peu ronde là et j'ai roulé. Et je sais pas si la roue elle a stoppé et du coup, mais en gros je me suis fait éjecter de ma chaise, elle s'est retournée, je suis tombée sur mon bras et du coup bah j'ai mal à mon coude, j'ai mal un peu partout, je suis un peu toute cassée là. J'ai pas très bien dormi donc je suis un petit peu fatiguée donc voilà. Donc on va faire comme d'habitude, on va faire des swatchs, donc c'est pareil, vous pouvez avancer un petit peu si vous voulez pas voir les swatchs. Moi je veux les faire pour moi et puis bah, pour vous aussi, hein, se dit en passant. Donc comme d'habitude, je vais faire au fur et à mesure, après je vais filmer aussi avec le téléphone pour que vous voyez sous différents angles, parce que c'est vrai que là souvent on n'y voit rien. Donc on va commencer par Letty, c'est un rouge, corail même, assez flashy, avec un siège dessiné dessus. Ensuite, on a Renato, dedans c'est marqué néon. Ça va être un champagne, doré, champagne. Hop. Ensuite, on a Monarch, c'est écrit nitro à l'intérieur. On est vraiment sur un vert citron qui tire beaucoup sur le jaune. Vraiment, on est sur le acide, le vert acide, jaune acide. Ensuite, on a Vince, où il est écrit speed à l'intérieur, et là on est vraiment sur le vert qui pète. On va voir Tanner, à l'intérieur il y a une coupe, vous savez, une coupe de champion quoi. Il est ultra joli, c'est un petit peu argenté, un petit peu vieux, lilas. Ensuite on a Alvaro, et là il y a une route, et c'est un bleu foncé néon. Deuxième ligne, c'est parti. J'ai un petit peu de paillettes de Tanner sur moi. J'espère que ça va pas tout gâcher. On va voir Raquel. Ça va être un rose pétant avec le drapeau de départ ou d'arrivée, ou j'en sais rien parce que je ne m'y connais pas en course. Vraiment le rose Barbie par excellence. Et on va voir Brian. J'ai l'impression que c'est un sens interdit dedans, mais je suis pas sûre. Et là, on va être sur un vieux doré. Foncé, peut-être marron même, hein. Même un bronze en fait. J'ai l'impression qu'il y a un tout petit côté holographique, mais peut-être que je me trompe, j'avoue, avec toute la lumière dans la gueule, je ne sais pas où trop j'en suis là tout de suite. Ensuite, on va voir Julia avec un casque de course, de moto, de ce que vous voulez, avec un jaune néon qui pète bien aussi. Puis Anita avec un machin d'essence. Je sais pas comment ça s'appelle, un baril d'essence. Je crois que c'est un baril. Hein. Enfin, les barils, normalement, c'est le gros truc rond. Enfin, on s'en fout. Vert d'eau, j'ai envie de dire, métallique. Il est très joli. Il est ultra lumineux, c'est très beau. Ensuite, on va avoir Larissa avec marqué V12. C'est un petit peu compliqué de faire des swatchs avec des ongles si longs. Je touche presque la couleur d'à côté. Larissa, on reste sur un métallique qui est plutôt dans les roses. Rose pêche. C'est joli aussi, ça fait moins l'effet de néon du coup, mais pour apporter de la lumière au make-up, ça va être trop bien. Tesh Parker, on a un pneu avec des flammes dessinées, ça va être un rose up beaucoup plus clair, qui reste quand même bien flash. Ouais, frère, dans la merco, ça fait vroom, vroom, vroom.
J'aime beaucoup, beaucoup cette ligne aussi. Vraiment, elle est incroyable. Je la préfère même à la première déjà. Bon, il y a deux roses qui sont un peu similaires, qu'on pourrait utiliser l'un pour dégrader l'autre. Mais vraiment, le jaune, il est trop beau. Les deux couleurs métalliques, elles sont trop belles aussi. Le marron bronze, je ne sais pas trop quoi. C'est pas trop mon délire, mais il a une très belle pigmentation. On passe à la troisième ligne. Si je dis que je vais l'aimer, il y a du turquoise, il y a du bleu. Enfin, je pense que je vais l'aimer. Mais on va voir. Donc il y a Dino avec marqué GT à l'intérieur. C'est un argenté, hein, genre des jantes bien briquées. Un effet miroir incroyable. Merci le bus qui passe quand je parle, on adore. Ensuite on va voir Mia avec, on dirait le signe Ferrari, mais avec une souris. Ferrari ou Lamborghini, je sais même pas, mais du coup je sais pas. On est sur un rose comme ça, crémeux. Très beau. Franchement, j'aime beaucoup. Ensuite, on va partir du coup. Il y a deux verts. Vert un peu turquoise. Il y a Benny. Là, c'est un levier de vitesse, l'image. Et on est voilà sur un turquoise comme ça, un petit peu genre Tiffany. J'adore. Ensuite, il y a Dom. C'est un turquoise un peu plus foncé et qui a l'air métallique. Effectivement. Moi je trouve toujours que ça fait Barbie, hein, rose, bleu comme ça. Je trouve toujours que on est en mode Barbie. J'aime beaucoup l'harmonie. Prendre la Monica, ça va être un bleu un peu plus flash. Il va être moins foncé que Alvaro. On a une voiture de sport dessinée à l'intérieur. Voilà. Bleu comme ça, vraiment une harmonie. J'adore. Et après on a Mario avec un volant et c'est le noir mat. Et apparemment, c'est sa formule habituelle de noir. Et pour une fois qu'on n'a qu'un noir, c'est cool. Donc voilà, un noir bien pigmenté comme on aime. Dans la BM, ça fait vroom, vroom, vroom. M3 bébé. Dans les quartiers, ça fait vroom, vroom. Et pour la dernière rangée, je pense que c'est celle qui me donne un peu le moins envie. Déjà, il y a un blanc, donc déjà tu te dis bon, voilà. Mais vu que c'est dans les oranges, bon, mes ongles sont orange fluo aujourd'hui, c'est vrai. C'est pas trop ma couleur le orange, même si avec mes yeux on pourrait se dire que je devrais mettre que du orange. C'est pas trop ma couleur. Un blanc pigmenté, c'est DK et on a une pompe de station-service en dessin. Ensuite on a Tobey avec Vroom Vroom. Voilà le duochrome classique qui fait orange rose. Ensuite on a Morimoto avec une moto. Ça va être un corail aussi. Un corail néon, hein. L'harmonie pour l'instant des trois, j'aime beaucoup. Ce corail, il est très joli. On va voir Slapjack avec une clé à molette. Ça va être un orange. Il est beaucoup moins peps que le reste de la palette, je trouve. Voilà, petit orange comme ça. Ensuite, on va voir Fine. C'est un feu tricolore qui est à l'intérieur et ça va être un violet. Je pense que avec le noir, c'est la teinte la plus sombre de la palette. On est sur un petit métallique. Pas fan, je suis pas fan, mais bon. Et ensuite, on a Luc, comme mon petit chat, mon cucu. C'est marqué, je sais pas, AS A3. Franchement, j'arrive pas à le lire. M3, d'accord, M3. Parce que ça brille en fait, et du coup, j'arrive pas du tout à lire avec les éclairages. Et on va être normalement, je pense, sur un duochrome aussi. Pareil, le classique version qui pète sa mère. Ils se ressemblent beaucoup les deux. Celui-là, il brille beaucoup moins que celui-là. Ça reste dans les mêmes tons, mais est-ce qu'on n'aurait pas voulu un autre duochrome pour avoir une autre couleur qui change totalement? Je me suis interrompue quelques secondes parce que je sais pas si vous avez suivi les actualités, mais c'est un peu la merde partout. Et apparemment, il y a des appels rassemblement à Lyon pour tout casser. Et comme ma mère travaille plus ou moins en ville, je voulais la prévenir et je vous avoue que je suis un petit peu bouleversée par tout ce qui se passe parce que mais on n'est plus en sécurité nulle part et je comprends pas ces gens qui ont envie de tout péter alors que bon ça ne sert à rien et qu'il y a que un coupable dans l'affaire. Mais bref, on s'en fiche, on passe, on n'est pas là pour ça, on est là pour faire une vidéo un petit peu fun avec une palette totalement déjantée. Je pense déjà on va faire un look sunset. Je pense peut-être que je vais le faire demain matin. Demain matin, j'ai mon contrôle technique, ça tombe bien. Donc peut-être que je vais vous faire un deuxième look demain matin. Comme ça vous fera deux looks. Là, mais il n'y a pas vraiment de violet mat. Donc je non.
On va faire deux yeux. On va faire deux yeux différents, comme ça on peut utiliser un truc de au max. J'ai enlevé ce que je venais de faire parce que c'était vraiment très moche. Je vais partir sur... Enfin, c'est moche. Oui et non, disons que c'est pas ce que j'aime. Je vais repartir sur le vert, mais je vais utiliser le bleu. Plus en dégradé vert bleu, je suis sûre que ça ira bien. Puis ça ira bien avec mes cheveux. Donc je commence par speed. Et frère, c'est ton poteau Scotty Boy. C'est Martin, ta super copine. Et El Javito. Et c'est ABX, on est des fous avec des véhicules. Ah frérot, t'es même pas prêt, on a tout Bugatti. Je vais mettre du Monarch, qui est du coup ce vert jaune acide. Il est trop beau, il est lumineux, on aime beaucoup. Et je vais prendre Julia le jaune. Je prends toujours le même pinceau, hein, juste j'attends qu'il soit déchargé ou je le décharge complètement sur ma serviette. Sur la moto, ça fait vroom, vroom, vroom. Et ouais, frérot. Dans la Merco, ça fait vroom, vroom, vroom. AMG, ma gueule. Dans la BM, ça fait vroom, vroom, vroom. M3, bébé. Dans les quartiers, ça fait vroom, vroom, vroom. Et ici, je vais partir... Enfin, je vais faire du bleu et du coup, je vais redescendre par le dessous pour continuer sur le bleu. Donc, je vais prendre Alvaro, ça va permettre d'intensifier l'extérieur. Il va devenir, voilà, il devient un peu turquoise à contact du vert. Et je vais prendre Monica ici, qui est un peu plus clair encore. Et du coup, je vais fondre. Donc les phares, ils se fondent très très bien. Je vais prendre un tout petit, un plus petit point. T'as capté, je vais prendre un plus petit pinceau. Et du coup, je vais continuer avec Alvaro. Ici, que je vais faire revenir par ici. Et je vais continuer par là. Je vais prendre aussi, du coup, Benny, c'est le turquoise. Et je vais intensifier ici. Donc, je prends Monica. Et ensuite Alvaro. Prix du lit 2,08€, ça pique au beat comme une colique. J'arrive en drift dans le drive du quick, je suis super piste, où sont mes frites? Eh mes frites à fou. Passe ce gars. Je suis quand même descendu plus que ce que j'avais en tête, mais c'est pas grave. C'est ça quand t'as la flemme de prendre des plus petits pinceaux. Donc là je vais prendre un beige pour estomper un petit peu. Pour faire un peu là. Y a pas de beige dans la palette, mais bon, c'est pas bien grave. Mat le fou qui check la reine n'est pas la haine, prend de la graine. Même mamie aime ce beat, c'est un fait. Pour son match, je fais sa fête. J'ai su ma top sur son beat, c'est un fait. Comme un insecte sur un steak, rafale seulement sur sa tête. Je la complète. Là, on a Anita. Je vais faire avec le doigt. Bon, ça apporte un petit peu de lumière, c'est très joli. Il est très beau ce petit vert. J'ai Dom que j'ai très envie d'utiliser, mais du coup c'est le turquoise métallique et du coup là vraiment bah j'ai pas trop de place, je peux le mettre en dessous. Donc, pour le coup faut que je prenne un plus petit pinceau. Je suis pas sûre qu'on voit beaucoup ce que ça donne. Ouais non, en plus avec le pinceau c'est pas terrible. Donc là le Dom malheureusement je vais pas pouvoir le mettre. C'est bête parce qu'il a l'air ouf. Mais bon, je vais rester sur Anita. Peut-être un peu l'extérieur. Essayons un petit peu de fondre Anita dans Dom. S'ils entendent des trucs comme ça. Parce que c'est un turquoise et que là, on est reparti un peu dans le bleu quand même. Alors, il est plus difficile à appliquer que Anita. Mieux avec le doigt. Et vraiment, c'est très beau. T'as même pas besoin de fondre l'un dans l'autre. Ils sont limite fondus tout seuls. Encore une fois, I'm sorry. Si Anita voulait pas d'homme et l'inverse. Voilà. Je vais attendre avant de mettre le argenté. Parce que peut-être que je mettrai plutôt l'highlight. Je sais pas encore. De toute façon, l'argenté, on a vu qu'il était incroyable. Pas besoin de tergiverser 2000 ans. Et on va faire le côté rose. Il n'y a pas un rose hyper flash. En fait, c'est un petit peu pareil que là. Il n'y a pas un vert hyper foncé pour faire vraiment l'extérieur. Et là, bah, je ne vais pas avoir de violet non plus. Je vais avoir le violet, le fin qui est métallique. Il me manque un violet mat pour moi.
un violet mat néon. Donc là c'est Raquel. Eh frérot, c'est ton poteau Scotty Boy. C'est Martin, ta super copine. Et je vais venir prendre dès maintenant Tesh Parker parce que il est quand même très pâle et je pense que Raquel va le bouffer. C'est pareil, autant l'autre j'ai le jaune, autant là bah, j'ai pas vraiment de couleur à mettre à l'intérieur pour que ça pète un peu. Je pense que je vais jouer avec le orange. Donc je reste dans le Tesh Parker. Et en fait ils se fondent l'un dans l'autre. Donc moi j'aurais préféré un violet. Le rose qui pète et un violet. Tesh Parker, on aurait pu s'en passer, je pense. Quand tu étires le Raquel au final, un peu déçu là-dessus, mais bon, c'est pas grave. Et pareil, je vais partir sur le orange, du coup, je vais prendre Letty, la première couleur, donc le corail comme ça. Pour fondre le rose dedans, donc d'abord, je mets... Et je vais prendre Morimoto. Pour mettre entre les deux. Voilà, on peut rien dire, hein. Les fards entre eux, ils se blendent super bien. Après, si je suis un peu trop montée, là, je peux prendre le pinceau où j'avais un peu la base. Je clean un petit peu. Ça fait un peu comme une gomme. Voilà. Et là, je vais passer sur Slapjack. Citroën C4 Cactus. Vroom, vroom. T'es malin, ça t'en fait péter le volume. Voilà, donc je pense que les trois oranges, ils se ressemblent quand même vachement. Il y a trois intensités, mais je trouve qu'ils se ressemblent un peu beaucoup. Les deux roses, ils se ressemblent quand même pas mal. Et du coup, autant ici, j'ai une différence un petit peu avec le bleu. Autant ici, j'aurais bien aimé la retrouver avec, du coup, ce fameux violet. Et je pense qu'on aurait pu mettre plus de couleurs. Après, vous allez me dire, moi j'aime bien les verts, donc je suis contente qu'il y ait plein de verts dans la palette. Mais c'est vrai qu'ils sont quand même assez différents, ces verts. Tandis que là, les oranges et les roses, ils se ressemblent. Mais peut-être que si j'aimais autant le rose et le orange, je serais contente qu'il y en ait autant dedans. Mais je trouve vraiment qu'ils se ressemblent beaucoup. Et que du coup, le machin Jack, là, il est pas du tout assez pigmenté par rapport au reste. Donc pareil, je vais prendre une petite teinte rose pour mettre. Donc c'est pareil, je vais mettre Larissa et Mia. Donc Larissa, c'est vraiment la plus claire la plus claire, qui va apporter de la lumière comme ça au milieu. Et ça va casser cet effet avec le Tesh Parker là qui... Merde, j'ai pas mis le doigt dans le bon truc. Voilà, ça fait le même effet. Vous voyez, ça fait un petit peu cet effet, je sais pas, mouillé, irisé. Ça apporte tout de suite de la lumière à l'intérieur du regard et on aime beaucoup. Et du coup, Mia, c'est l'autre rose un peu plus foncé, un peu le même délire que Dom. Et on va le mettre pareil à l'extérieur. That's cute. Vous allez me dire, et les crayons, et les liners et tout? Eh bien, je ne sais pas. Là, pour l'instant, ce que je vois, c'est qu'il manque de la luminosité à l'intérieur. Je vais mettre ça là, plutôt que l'argenté. Au début, je voulais l'argenté Dino. Ou alors je mets celui-ci Tanner qui est un petit peu violacé à gauche et Dino à droite. On va faire ça. Comme ça on teste les deux ce qu'ils valent. Mais à mon avis, ça va être des BG. Alors, Dino à droite, donc argenté métallique. Et on va prendre Tanner pour le côté gauche. C'est le même délire, Tanner et Dino. Voilà, c'est pas mal parce que du coup, lui il a pas vraiment de reflet, il a pris un peu le reflet vert et lui il a vraiment ce reflet un peu mauve. Ça fait vroom, vroom, vroom. AMG ma gueule. Dans la BM, ça fait vroom, vroom. Violet. Violet et vert, comme tu m'as dit. Ça fait vroom, vroom, violet vroom. Jaune. Dans les quartiers, je suis posé en wheeling dès l'arrivée. Mademoiselle enchantée, laissez-moi me présenter. Donc, ouais, les deux autres crayons, bah, on va pas les essayer là. Et puis, bah, le liner. Pas trop non plus, hein. C'est dommage. Si j'ai le temps, j'essaierai du coup de le mettre demain et de filmer, mais j'ai envie de monter la vidéo assez rapidement pour pas qu'elle sorte dans 10 jours, pour une fois.
Donc je prends le orange, de toute façon on a capté que c'est mon chouchou. Ah ouais, d'accord, il est pigmenté. Ça fait brum 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 dans la Merco, ça fait brum 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 dans la BM, ça fait brum 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 dans les quartiers, ça fait brum brum brum. Je suis pas fan, je trouve que ça, l'application elle est sèche. Je suis habituée à tous les blushs d'Anastasia que je mets quasiment tout le temps et ils sont vraiment incroyables. Les blushs Anastasia, t'as pas besoin de tapoter, comme ça tu passes et c'est fini. Et là, ouais, il n'y a pas ce côté. Enfin, elle dit un côté crémeux, je le trouve pas. Je trouve que ça accroche plus qu'autre chose. Après, en général, je mets mon blush avant aussi. Je préfère. Je vais quand même essayer le rose de l'autre côté. Donc, Fernanda. Je fais de la moula dans les virages. Il est un peu plus sympa à appliquer déjà. Mais surtout parce qu'il est moins pigmenté, donc c'est vrai qu'il fait moins de traces. La teinte, elle est jolie. Elle est naturelle. Limite, ça peut faire blush et highlight à la fois. Du coup, highlight, bah, je vais prendre Angelica pour la gauche. Je vais la mettre aussi ici. Petit highlighter doré comme ça. C'est pas mal. Je vais faire mes cils, je vais tout finir et je reviens. Voilà, j'ai pas trop fait d'efforts pour les cheveux parce que je suis à un stade où ma frange elle est trop longue ou trop courte. Je sais pas si je la recoupe ou pas, j'ai pas décidé. En ce qui concerne la collection, du coup, j'ai pas pu tester plus que ça les liners et les crayons. Mais je pense que les crayons ils sont bien. Ce qui est bien aussi, c'est que c'est des embouts en bois, du coup, c'est taillable contrairement aux trucs en plastique qui servent absolument à rien. Le liner, donc moi j'aime pas trop les points de feutre, là en testant je l'ai trouvé vraiment vraiment cool. Et alors la palette pour les yeux, elle est très très bien, je vous ai dit ce que j'en pensais, je pense que on aurait pu mettre peut-être moins d'orange, moins de rose, un bon violet, ça aurait été peut-être sa mère, mais sinon vraiment comme d'habitude les fards sont super sympas à travailler, les pigments sont là, les métalliques sont super sympas. La palette pour le visage, je suis pas... transcender parce que en fait j'en ai tellement des blushs et des highlights que je pourrais totalement m'en passer. C'est vrai qu'elle est jolie et si vous n'avez pas cette teinte c'est sympa. Je suis contente de l'highlighter doré, enfin de pouvoir le mettre en highlight, en fait je pensais pas. En fait vraiment il fait très très joli. Le blush orange, je préfère celui d'Anastasia, mais comme j'ai que celui d'Anastasia et du coup celui-ci c'est toujours bien d'en avoir. Il y a Alexis qui se réveille, il y a Luc qui se réveille, il faut que j'aille leur donner à manger. Et le côté rose, franchement, c'est des trucs qu'on peut avoir déjà un petit peu partout. Donc si vous n'avez pas ce genre de couleur, why not? Est-ce que je vais l'utiliser? Oui, évidemment, je vais l'utiliser. C'est des couleurs que j'adore. Est-ce que je l'aurais acheté séparément du coup? Probablement pas. Là, je vous dis, c'était vraiment sur l'impulsion. Vous savez, vous avez des périodes où vous avez envie d'acheter des trucs pour vous faire plaisir. Et là, c'était vraiment ma période. J'avais envie d'acheter des trucs... J'avais besoin d'acheter des trucs limite, donc quand je l'ai vu qu'elle est arrivée sur le site, quand j'ai reçu le mail, j'ai fait allez c'est bon, je prends la collection entière. J'aurais peut-être pu économiser un petit peu si j'avais pris que la palette, les crayons et le liner, mais je pense qu'au final, si on compte, ça fait 45€ plus 65€, ça fait 110, bon ça fait 30€, 30€ le 45€ la palette visage, je me dis franchement ça va. Parce qu'elle est pas nulle, hein. Elle est pas nulle. C'est juste que, comme j'ai beaucoup de points de comparaison, forcément, je me dis, ça, je préfère ça, je préfère ça. Mais franchement, elle est pas nulle du tout. La pigmentation, elle est là. Le orange, il est un peu plus difficile à travailler, je trouve. Il est pas si crémeux que ça. Même quand on a fait le swatch, vous avez vu, j'ai trouvé que c'était mais. Mais sinon, dans la globalité, cette collection, elle est incroyable entre... Le packaging qui te ramène en arrière, moi dans les années 90, c'était un petit peu le délire, avec les flammes et tout ça. C'est vrai que j'ai jamais été très tuning, été très voiture de course et tout, mais on peut dire ce qui est, on a tous déjà bavé devant des voitures. Le packaging, la com, le clip, enfin ils se sont donnés, c'était vraiment comme d'habitude, incroyable. À chaque lancement, je me dis mais... Elle ne peut pas faire mieux et à chaque fois elle te balance un truc
incroyable, donc vraiment, si je dis encore incroyable, vous me tapez. Non, vraiment, cette collection, elle est vraiment bien, si vous aimez les couleurs et tout, mais foncez, les yeux fermés, toujours cruelty free, vegan et fabriqué en Europe en plus, on adore. Voilà, allez, je vous fais des bisous.